on va se ramener à notre problème initial qui avait motivé l'introduction de nos listes chaînées comme nouvelle structure de données. rappelez-vous on voulait un programme principal donc délimité par disons début et fin qui demandait à l'utilisateur de saisir au clavier des antipositifs et qui s'arrêtait dès que l'utilisateur saisissait un entier strictement négatif. c'est ça qui faisait qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance combien de euh, valeurs on allait vouloir stocker et qui affiche tous les entiers positifs tapés au clavier. Alors, par exemple, si on tape 34, 8, 10 et moins 3, on veut ensuite que ça nous affiche, vous avez saisi 34, 8 et 10. Alors là, je vais vous laisser réfléchir. Euh, donc, je vous dis qu'on va utiliser une liste chaînée. Parce qu'on peut ajouter donc autant de données que nécessaire, et on veut une complexité en grand O de n, donc linéaire, où n est le nombre d'entrées au clavier. Et donc je vous fais quatre propositions de stratégie pour notre algorithme, et je vous demande de choisir laquelle euh, me garantira d'avoir la complexité en grand O de n. Et je vous demande du coup de réfléchir pourquoi les autres euh, ne conviennent pas pour avoir la complexité euh, linéaire ou ne conviennent pas pour répondre au problème qui est posé. Alors, la première proposition, c'était d'ajouter à chaque fois les euh, entiers au début de la liste, puis d'afficher à la fin euh, dans l'ordre de la liste. Alors ça, ça ne convient pas puisque ça ne va pas afficher à la fin dans le bon ordre. Pourquoi bah Parce que si on, on ajoute les entiers dans l'ordre de la liste, eh bien ça veut dire que la dernière valeur qui est saisie au clavier, c'est celle que j'ajoute en dernier à la, au début de la liste. Et donc ça veut dire que ça va être mon premier élément de ma liste dans l'état final. Et donc si j'affiche dans l'ordre de la liste, ça va être le premier entier qui va être affiché. Donc si je reviens à l'exemple qui est juste avant, Hop. là, si à chaque étape, j'ajoute en début de liste, puisque ça ne coûte pas cher, je vais ajouter 34 en début de liste, ensuite j'ajoute 8 en début de liste, donc ma liste, elle contient 8, 34, ensuite j'ajoute 10 en début de liste, donc ma liste, elle contient 10, 8, 34. Si j'affiche dans l'ordre de la liste, eh bien, ça me donne... 10 8 et 34 m'affichage et c'est pas ça que je voulais. Donc la stratégie 1 ne marche pas parce qu'elle respecte pas euh, les spécifications. Proposition numéro 2, ajouter à chaque fois au début de la liste, donc ça coûte pas cher, puis afficher en partant de la fin de la liste en un seul parcours de droite à gauche. Alors ça ce serait bien sur le papier parce que ça coûte pas cher d'ajouter au début, si j'affiche ma liste à l'envers, et ben du coup, j'aurai bien les nombres qui vont s'afficher dans l'ordre où je les ai saisis. Mais par contre, euh, ma liste, je ne peux pas la parcourir de droite à gauche, puisque chaque maillon connaît l'adresse du maillon suivant, mais ne connaît pas l'adresse du maillon précédent. Donc je ne peux pas faire un parcours de droite à gauche. Alors ça, cette proposition numéro 2, ça permet de motiver le chapitre suivant, qui est euh, les listes doublement chaînées. Donc c'est une variante des listes chaînées où chaque maillon connaît en fait l'adresse du maillon suivant mais aussi l'adresse du maillon précédent. Et donc ça nous donne plus de souplesse pour parcourir nos listes, parce que du coup on peut le parcourir dans les deux sens. Par contre c'est un petit peu plus lourd à maintenir, puisque du coup à chaque fois qu'on fait des. qu'on rajoute des maillons ou qu'on rechaîne nos maillons, et eh bien du coup il faut rechaîner euh, à la fois le maillon suivant et le maillon précédent. Mais donc sur une liste simplement chaînée, liste chaînée qu'on a vue aujourd'hui. Eh bien, on ne peut pas faire un parcours de droite à gauche, donc la stratégie 2 n'est pas envisageable. Stratégie 3, on va ajouter à chaque fois à la fin de la liste, comme ça, ça veut dire que mes valeurs, elles vont bien être stockées dans le bon ordre, d'accord Et ensuite, j'affiche dans l'ordre de la liste. Donc, si je reprends dans mon exemple précédent, Ma liste est vide, j'ajoute 34 à la fin. Donc ma liste contient que 34. Ensuite, j'ajoute 8 à la fin de la liste. Donc la liste contient 34 8. Ensuite, j'ajoute 10 à la fin de la liste. Donc la liste contient 34 8 10. Donc si j'affiche ensuite ma liste dans l'ordre, ça me donne 34 8 10. Donc ça c'est conforme aux, aux spécifications pour le rendu. Par contre, je vais pas avoir une complexité linéaire. Pourquoi bah parce que ajouter en fin de liste ça coûte un temps qui est linéaire. Donc si je dois faire ça à chaque fois, eh bien pour chacun des n entiers que je dois stocker, je dois faire quelque chose qui a un, un coût qui est linéaire. Alors euh, ça ne fait pas exactement n fois n puisque au début, ma liste n'a pas taille n, mais on a en fait euh, une somme des i pour i allant euh, de 0 à n-1. Et ça, ça me donne quand même un temps qui est quadratique si on fait l'analyse précise. Donc je ne peux pas me permettre d'ajouter à la fin, ça coûte trop cher. Et la stratégie numéro 4, c'est ajouter à chaque fois au début de la liste. Donc ça, ça me coûte un temps constant à chaque fois. Je répète l'opération n fois. Donc ça me coûte bien un temps linéaire. Puis, je veux renverser la liste. Comme ça, mes valeurs se retrouvent dans l'ordre où je les ai saisies. Et ensuite, j'affiche le nouvel ordre de la liste. Alors là, vous me dites... Euh, soit, mais est-ce que je peux vraiment faire ça, et est-ce que je peux vraiment le faire en temps linéaire Eh bien, voici un, une ébauche de l'algorithme, on va pas tout voir ensemble. Donc, on va créer une nouvelle liste li. On commence par faire une première saisie clavier. Donc, on demande un entier, on stocke ça dans val. Et tant que val est supérieur ou égal à 0, eh bien, on ajoute au début la valeur dans li. Et on demande une nouvelle saisie clavier. Donc là, on a tout stocké dans la liste. Mes nombres sont stockés à l'envers, c'est-à-dire que le dernier saisi est le premier dans ma liste. Et ensuite, on verra en TD comment renverser la liste en temps linéaire et afficher la liste en temps linéaire. Et là, j'ai fait un petit abus de notation parce que j'ai supposé qu'il y avait une conversion implicite euh, entre le résultat de la saisie clavier par la fonction input et euh, le stockage dans val qui est euh, une variable de type nombre. Voilà, donc la suite, eh bien, ce sera en TD pour faire ça en temps linéaire. Alors, du coup, une fois qu'on aura vu ça en temps linéaire, bah, le reste c'est assez facile à analyser puisque ajout de début ça nous coûte 5 opérations, c'est-à-dire un temps constant. Donc si on tape n entier positif, on va répéter ça. Euh, n fois, n fois 5, ça fera donc 5n, plus quelque chose de linéaire, plus quelque chose de linéaire, au total ça donne quelque chose de linéaire. Alors, euh, juste un petit commentaire, euh, dans ce cours, on a choisi du coup de vraiment rentrer dans le détail de comment sont fait les listes, donc c'est une approche euh, vraiment proche de l'implémentation. On aurait pu voir les listes chaînées d'un point de vue beaucoup plus type de données abstraites, c'est-à-dire d'un point de vue utilisateur. Alors, quand on fera d'autres structures de données, quand on fera les piles, les fils et les arbres binaires, là, on changera de stratégie et on adoptera plutôt un point de vue utilisateur pour voir un petit peu le contraste entre quand on met les mains dans le camp de bouillie ou au contraire, quand on utilise uniquement l'interface qui est possible avec nos structures de données. Donc, juste pour vous donner une idée, si on avait euh, euh, adopté l'autre point de vue, donc le point de vue utilisation pour chaînée, on n'aurait pas parlé de maillon, on n'aurait pas parlé d'adresse. On aurait juste dit qu'une liste, c'est une structure de données sur lesquelles on peut faire les opérations suivantes. On peut créer une liste avec new list. On peut euh, demander euh, avoir une liste créée à partir de la euh, liste qu'on avait, mais qui ne contient pas le premier élément, et c'est la queue de la liste. On peut accéder à la valeur de tête de la liste, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le premier élément. On peut demander à ajouter un élément en début de liste, et tout ça c'est des opérations qui se font en temps constant. Et on peut euh, concaténer deux listes, et ça c'est une opération qui se fait en temps linéaire en la taille de la première liste. Et ça, voilà, ce sont ce, ce, ça aurait été nos opérations euh, de base sur les listes. Et avec ça, on aurait pu euh, dû se débrouiller pour du coup créer tout ce qu'on voulait faire sur les listes à partir de ces opérations de base. Euh, mais c'est quand même assez important pour bien comprendre en fait ce que c'est qu'une liste et du coup bien comprendre pourquoi il y a des choses qui coûtent peu cher et d'autres choses qui coûtent très cher comparé au tableau. Ça me paraît assez important d'avoir euh, en tête l'image des maillons et du chaînage, euh, qui correspond à la manière la plus classique d'implémenter les listes chaînées, même si ce n'est pas euh, la seule façon de faire. Voilà, et cela conclut du coup notre chapitre sur euh, la découverte des listes chaînées et la comparaison avec les tableaux.